Salut les potos, ici le Filou. Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose qui va peut-être vous faire flipper. J'ai nommé la variole du singe ou monkeypox. En ce moment tout le monde en parle sur internet et c'est même la tendance la plus importante sur Twitter. Alors pourquoi tout le monde en parle? Eh bien parce que la maladie se propage de façon assez inexpliquée et rapidement en Europe et aux États-Unis. Alors qu'est-ce que le monkeypox? C'est une maladie qui peut être grave. 1 à 10% des personnes qui l'ont eue sont mortes en Afrique, surtout les enfants, et il faut avouer que les moyens médicaux ne sont pas les mêmes qu'en Occident. Elle se présente cliniquement chez l'humain par de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, un mal de dos, des ganglions lymphatiques enflés, des frissons, de la fatigue et enfin, c'est ce que je préfère, des éruptions cutanées. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu que des épidémies occasionnelles, surtout en Afrique. Mais depuis quelques années, le nombre de cas augmente, probablement suite à l'interruption de la vaccination contre la variole classique. En effet, le vaccin contre la variole qui a été administré jusqu'en 1980 et qui a fait disparaître le virus, oui, il marche mieux que le vaccin anti-Covid, protégeait aussi de la variole du singe. Même si cette maladie ne fait pas vraiment peur en Europe, notamment grâce à la qualité des soins, les organismes de santé s'inquiètent du nombre de cas qui augmente très fortement et en très peu de temps. C'est le Royaume-Uni qui a annoncé un premier malade le 7 mai dernier et depuis, les cas ne cessent d'augmenter. Le Royaume-Uni en compte aujourd'hui 7. J'ai essayé de lister le nombre de cas par pays européen, mais celui-ci augmente tellement vite que je n'ai pas pu avoir de données précises. Certains sites annoncent plusieurs dizaines de contaminés à l'heure actuelle en Espagne et au Portugal, au port de la France quoi. De plus, alors que la transmission se produit normalement par voie respiratoire, par toucher, l'étude de cas laisse penser que la transmission a principalement eu lieu par les muqueuses, pendant les relations sexuelles et surtout chez les homosexuels. Alors pourquoi je vous parle aujourd'hui de ce virus? Eh bien parce qu'il est en ce moment en top tendance donc sur Twitter, mais pas du fait de sa dangerosité, ni de la panique qu'il suscite chez les gens, non. En fait, les internautes s'étonnent que, quelques mois auparavant, Bill Gates mettait en garde contre une pandémie de variole qui pourrait survenir après le Covid. Framboisune 1968 écrit « Bon voilà, je suis rassuré, après 3 saisons de la saga Covid, ce matin, je vois en tendance sur Twitter, variole du singe. Il semble que l'OMS et Bill Gates aient décidé de changer le narratif. Le Covid n'engendra plus la peur. Au suivant. Tendon d'Achille écrit, elle serait grosse la couleuvre, non? Et là, donc, on a donc une news qui nous dit que le philanthrope américain Bill Gates a mis en garde contre une pandémie de variole bioterroriste qui pourrait survenir si nous ne tirons pas de précieuses leçons du Covid-19. Et là, une news, alerte monkeypox en Espagne après que 23 personnes présentent les symptômes. Bill Gates avait annoncé que la prochaine pandémie pourrait concerner la variole. Et curieusement, on apprend que des dizaines de cas de variole du singe apparaissent dans plusieurs parties du monde. Le Covid-19 ne marche plus, ils utilisent la carte de la variole. Carte de la variole que Bill Gates a brandie l'an dernier. Croyez-vous que cela soit une simple coïncidence? On n'a même pas le temps de finir de comploter avec le Covid-19 qu'il y a maintenant la variole du singe. Ils vont trop vite. Donc voilà, est-ce que vous pensez que ce sont les savants fous travaillant pour Bill Gates qui ont semé ce virus en Europe et aux États-Unis? Que cette maladie va entraîner une nouvelle pandémie? Ou que l'on n'entendra plus parler d'elle dans quelques semaines? Je vous laisse répondre en commentaire. Et vous invite à vous abonner et liker si vous avez regardé cette vidéo en entier. C'est gratuit et ça me motive beaucoup pour faire d'autres vidéos. Je vous dis à la prochaine et vous souhaite bon courage dans ce monde de fous. Bye. Salut les potos, ici le Filou. Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose qui va tout faire. Salut les potos, ici le Filou. Alors aujourd'hui on va parler. Je vous laisse répondre en commentaire. Oh, c'est où ça? Je vous laisse répondre en commentaire et vous invite à vous abonner et liker si vous avez regardé. Je vous laisse répondre en commentaire et vous invite à vous abonner et liker si vous avez regardé cette vidéo en entier. C'est gratuit, ça me motive beaucoup à faire. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je vous laisse répondre en commentaire et vous invite à vous abonner et liker si.